Quoi encore? Si vous pensez que ça vous aidera. Il vous faut quelque chose? Je ne peux pas dire que je sois surprise. Je pensais bien que ce jour finirait par arriver. Mais j'ignorais quand ce serait. Si. Je partais du principe que nous serions contraints d'en passer par là. J'essaie de me résoudre à cette idée. Venez, nous en reparlerons plus tard. Y a-t-il quoi que ce soit digne d'intérêt? Très bien, voyons ce que vous avez là. D'équipe. Je commence à comprendre pourquoi on m'a toujours conseillé d'éviter une de ce genre. Thank you.
quoi encore? J'avais bien entendu quelque chose. Un vrai travail d'équipe. Il vous faut quelque chose? Si vous pensez que ça vous aidera. Ça n'a presque pas l'air réel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
chose. Je n'entends plus rien là. J'aurais juré avoir entendu quelque chose. D'où venez-vous? Ça vous apprendra. Woo!
blague. Bah oui, on prend des fourrures et des branches d'arbres. On les peint en blanc et on les attache à Silvo. Et hop, une vraie givre épaire. Vous n'apportez que des ennuis. Personne ne croira que votre chien est une givre épaire. Et même si c'était le cas, il le tuerait. Ce n'est pas très drôle. Plus tôt vous trouverez la griffe, plus vite notre vie pourra reprendre un cours normal. Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valerius impunément. Vous l'avez trouvé ? Voilà ! Étrange, c'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non ? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Merci infiniment. Oh, que se passe-t-il ? J'espère pour vous qu'il ne s'agit pas de breloques dont vous voulez vous débarrasser. Retrouver toute son activité. Vous et moi. Bon, un peu de tout. Très bien. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. Ma sœur Camilla et moi-même nous ferons un plaisir de vous aider. Peut-être cherchez-vous quelque chose de particulier ? Vous avez besoin d'entraînement. C'est pour bientôt, je le sens. Alors, c'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. La mansarde, hein ? Eh bien, nous n'avons pas de mansarde. Mais vous pouvez prendre la chambre sur votre gauche. Faites comme chez vous. Vous êtes donc l'enfant de dragon dont j'ai tant entendu parler. J'arrive tout de suite. Je crois que c'est ce que vous cherchez. Nous devons parler. Suivez-moi.
Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi. Je cuisine. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Fermez la porte. Maintenant, nous pouvons partir. Les grises barbes semblent croire que vous êtes l'enfant de dragon. J'espère qu'ils ont raison. Ça vous surprend? Je crois que je simule de mieux en mieux mon emploi de petite aubergiste inoffensive. Tant mieux. Le but du jeu lorsqu'on cache son identité, c'est d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Je ne me suis pas donné tout ce mal sur un coup de tête. Il fallait que je sois sûr qu'il ne s'agissait pas d'un piège des Talmors. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous ai déjà donné la corne. J'essaie de vous aider. Il faut juste que vous m'écoutiez. Comme je l'ai dit dans mon mot, j'ai entendu dire que vous étiez l'enfant de dragon. Je fais partie d'un clan qui vous recherche, ou qui recherche quelqu'un comme vous depuis très longtemps. Enfin, si vous êtes vraiment l'enfant de dragon... Avant que je vous en dise plus, je dois être sûre de pouvoir vous faire confiance. Si vous ne me faisiez pas confiance, vous auriez commencé par ne jamais mettre les pieds ici. Je savais que les grises barbes vous enverraient ici s'ils pensaient que vous étiez l'enfant de dragon. Ils sont pour le moins prévisibles. J'ai tout de suite su que les grises barbes vous envoyaient. Et non, les Talmors. Nous nous rappelons ce que la plupart oublient, que le destin de l'enfant de dragon est de nous débarrasser des dragons. Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon en dévorant son âme. En êtes-vous capable? Pouvez-vous dévorer l'âme d'un dragon? Bien, et vous aurez bientôt l'occasion de me le prouver. Nous nous rappelons ce que la plupart oublient. Que le destin de l'enfant de dragon est de nous débarrasser des dragons. Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon en dévorant son âme. Oui, nous sommes de vieux ennemis. Et si mes doutes sont fondés, il se pourrait qu'ils soient liés au retour des dragons. Mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Ce qui compte, c'est que vous êtes peut-être l'enfant de dragon. Ce n'est pas simplement que les dragons reviennent. C'est qu'ils reviennent à la vie. Ils ne se sont pas absentés pendant toutes ces années. Ils étaient morts, tués il y a des siècles par mes prédécesseurs. Quelqu'un ou quelque chose ramène les dragons à la vie. Je veux que vous m'aidiez à mettre fin à ça. Je le sais. Je suis allé voir les vieux tertres où étaient enterrés les dragons, et je les ai trouvés vides. Et j'ai découvert où réapparaîtra le prochain. On va aller là-bas. Et vous tuerez ce dragon. Si nous réussissons, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Vous devriez le savoir. Vous m'avez trouvé la carte. La pierre de dragon de Farangar, vous vous souvenez? Vous prêtiez donc attention. Je me suis arrangé pour que Farangar me récupère la pierre de dragon. C'est ce que je fais. Je tire les ficelles en coulisses. C'est un peu pour ça que vous êtes là. Oui. Une carte des anciens sites funéraires des dragons. J'ai vu ceux qui sont maintenant vides. L'ordre de réapparition est clair. Ils semblent partir du sud-est, par les montagnes de Djeral, près de Fayez. Le prochain site sera près du bosquet de Kin, si je ne me suis pas trompé. Le bosquet de Kin. Un dragon a été enterré non loin de là, il y a fort longtemps. Si nous arrivons là-bas avant que cela se produise, nous apprendrons peut-être comment empêcher le phénomène. Il faut que j'aille mettre ma tenue de voyage.
Laissez-moi une minute pour me préparer. J'aime mieux ça. En route pour le bosquet de Keen. Orgnar, je pars en voyage. Occupe-toi de l'auberge jusqu'à mon retour. D'accord. Bonne route. Ceci est une ode aux lois... Défenseurs de bord de ciel, les impériaux. Nous, fils de bord de ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille en sa nuit. Nous chasserons les sombrages, nos terres reprendront, par le sang et l'acier, chez nous nous reviendrons. Mort à Ulfric, le tueur de rois, le jour de ton trépas. Le bosquet de Keen est par là. Nous pouvons voyager ensemble ou nous séparer et nous retrouver là-bas, comme vous voulez. Ah, vous avez retrouvé la corne de Jürgen par le vent. Bravo, vous avez réussi toutes les épreuves. Venez avec moi. Il est temps de vous reconnaître officiellement enfant de dragon. Vous pouvez maintenant apprendre le mot final du déferlement. C'est Da, qui signifie pousser. Combinant ces trois mots, le cri est bien plus puissant. Utilisez-le avec parcimonie. Maître Vulfda va maintenant vous offrir son savoir sur le Da. Votre formation est terminée, enfant de dragon. Nous souhaiterions nous entretenir avec vous. Tenez-vous entre nous et préparez-vous. Peu de personnes peuvent supporter la voix débridée des grises barbes, mais vous avez suffisamment patienté. Nous
Shur, Alknal Surekto Atmorasur. Mes duit ismir domasebro Amanda Rock. Dovahkiin, vous avez entendu et supporté les voix des Grises Barbes. Le Haut-Rodgar s'ouvre à vous.